searching for the missing piece of my life. I've been searching for the key to unlock the door. Comment peux-tu abandonner ton poste de cette façon, hein? C'est ainsi que vous mangez l'argent de mon fils sans tout pas faire de travail. Mais qui est-ce qui tombe comme ça? Allez, ouvre le portail, s'il te plaît. Il fait très chaud. Qui êtes-vous? Tu ne sais même pas saluer. D'accord, bon après-midi. Un simple bon après-midi avec quelqu'un de mon âge, tu ne peux pas habiller avec maman ou madame. Madame, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qui êtes-vous? J'en veux à tes parents d'avoir mis au monde un inutile comme toi. Écoutez, madame, vous n'êtes pas venue ici pour m'insulter, d'accord? Respectez-vous. C'est moi que tu traites. C'est ta maman qui est une vieille femme. Hein? Tu vois un Alicia comme moi et tu me traites de vieille, tu es aveugle? Écoute, ouvre rapidement ce portail. Ouvre-le, rapidement. Hein? Regarde-toi. Oh, oh, oh. Tu vas appeler la sécurité de cette estate pour moi? Et tu ne réfléchis même pas. Comment la sécurité de cette estate m'a laissé entrer s'il ne savait pas qui je suis? Madame, tout va bien chez toi? Mon patron n'a pas dit qu'il avait une mère. Mon patron n'a pas dit que quelqu'un venait ici. Oh, ok, il n'a pas de maman, il est tombé du ciel. Mon ami, je t'en prie, ouvre-moi ce portail. D'accord, vite. Je vais aller demander au patron. Je ne me calmerai pas si tu n'ouvres pas d'accord, ce portail. D'accord, j'ai compris, mais calmez-vous. Tu discutes encore? Allez, ouvre-moi ce portail rapidement. Attends. C'est pas vrai. Regardez-moi cet idiot. Patron, que se passe-t-il là-bas? Patron. Mon enfant. Maman, es-tu normale? Comment oses-tu? Comment laisses-tu ma mère dehors? Allez, ouvre le portail! Ouvre le portail! Ouvre ça, dépêche-toi! Je savais pas que c'était votre mère! Pour qui te prends-tu? Je savais pas que c'était votre mère, je vous assure! Elle disait que c'est votre mère, mais j'ai pas cru! Maman, madame, désolé, maman! Regarde, je suis désolé! Je suis vraiment désolé, patron, je savais pas que c'était. J'étais à l'œil! Tu ferais mieux de faire attention! Maman, désolé, désolé, maman, désolé! Madame, je suis désolé! Désolé, patron! Je suis désolé, maman. Madame, désolé, maman. Présente, mais maman, calme-toi. Désolé, maman, calme-toi. C'est bon, maman, du calme. C'est bon, maman, ça va aller, désolé. Désolé, madame. Désolé, je suis. Maman, doucement, suis doucement, désolé. Maman, allez, doucement. Maman, du calme, maman, ça va aller, du calme. Je suis désolé, maman, désolé pour ça. Il fallait écouter le désolé, son maman. Ce que ce garçon m'a donné. Désolé, non. Maman, désolé. Désolé. Maman. Allez, dépose cette valise-là. Ok, d'accord. Vas-tu dégager d'ici, hein? Dégage. Eh bien, viens ici. Et viens par là, sors, sors. Va-t'en d'ici avant que je ne change d'avis. Maman, désolé, désolé, maman. C'est bon, ça va, maman. Maman, c'est bon, fils, maman. Comment tu vas? Je vais bien. Fils, tu es si élégant. Tu vas travailler. Oui, bien sûr. Oh, Chai. Mon enfant, que Dieu te bénisse. Amen. Passe une bonne journée au travail. Amen. Le méchant ne te verra amen. Pas. Amen. Amen. Vas-y. Ok, maman, à mon retour, je te verrai, d'accord? Sans problème, dépêche-toi. J'ai demandé pas à ma retard. Femme de s'occuper de toi, d'accord? On verra. On prends-en de toi ce soir, maman. Désolé, passe hein? Passe une bonne journée. Mon amour, à ce soir, d'accord? Je t'aime, ok? Reviens vite, nous avons tellement d'accord? À bavarder, tu m'as manqué. D'accord, maman. À tout à l'heure, maman. Mon Dieu, moi, mon amour. Fais attention à toi, bonne journée. Oh. Maman, bienvenue, hein. Mm-hmm. Maman, maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais, non? Oh! Alors je devrais t'écrire une lettre à toi comme la reine Elisabeth pour t'informer sa magnificence que je dois rendre visite à mon fils. Non, maman, c'est pas ça que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis désolée, laisse-moi t'aider avec tes bagages. Ah, c'est Iñam. C'est pour le pandet Iñam pour mon fils. Hmm? Allez, apporte ça à l'intérieur. Attends, c'est ce petit truc que tu fais comme quelqu'un qui veut se mettre à l'aise. Hein? Maman, c'est très lourd, je ne suis pas habituée à porter des tu choses lourdes. Tu n'es pas habituée, mais tu es habituée à manger ça. Hein? Ce petit truc, cette petite igname avec laquelle tu me sers pour faire la gym. C'est ce que tu ne peux pas porter. Pardon, laisse-moi porter mes effets moi-même. Maman, courage, hein? Aïe. Maman, j'espère que tu aimes le repas. Viens, Trisha. Maman, ce n'est pas Trisha, c'est Kisha. Trisha, Kisha, tout ça, Acha. Peu importe celui que tu prononces, réponds simplement. Que se passe-t-il? Tu n'as pas élevé ton niveau de cuisson. Je ne comprends pas. Comment vas-tu comprendre, hein? Ce repas, je ne comprends pas ce qui se passe, tu vois un peu? Le goût n'a pas de direction. Maman, ça veut dire quoi, le goût de la nourriture n'a pas de direction? Arrête de me poser des questions stupides, pardon. C'est pas toi qui as cuisiné ça, tu ne mets pas de Maggi. Tu n'as pas mis de sel, tu n'as pas mis de piment.
Tu n'as même pas mis les simples crevettes. Tu as seulement fait ça avec de l'huile simple ou quoi? Maman, tout ce que tu as mentionné, je les ai mis là et ton fils a mangé ce matin. Au petit déjeuner, il a aimé. Hey, mon pauvre fils! Mon pauvre fils, comment ne va-t-il pas apprécier ça quand tu as déjà détruit son goût? Il ne ressent plus rien parce qu'il mange des choses comme ça. Maman, laisse, je vais aller. T'en fais pas, je vais gérer ça. Ça va, laisse tomber. Laisse-moi te préparer autre chose. Vas-y, laisse tomber, laisse-moi, tu ne m'amènes pas à porte. Laisse tout, et va-t'en. Va, je vais gérer, avant qu'on te dise que c'est moi qui te stresse, te poussons à aller préparer autre chose. Parce que je connais ta bouche est cranchante comme un trésor. Quand quelqu'un te regarde, il pensera que tu es très élégante. Pourquoi froisses-tu ton visage aussi? Qu'ai-je dit de mal? Rien Est-ce du tout, dit quelque chose de mal? Tu n'as rien dit de mal, mon visage est comme ça. Allez, va-t'en, laisse-moi gérer ce truc que tu m'as donné. Aïe, pourquoi mon fils a épousé cette fille, oh? Je suis dans ma chambre, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne veux rien d'autre venant de toi, oh, ce poison est suffisant. Aïe, pas de sel, pas de piment. Mais pas de bouillon. Aïe, ce truc a un goût de merde. C'est bon. Une nourriture vraiment immangeable. C'est quoi ce long visage? Cette tête? Oui. C'est à cause de ma mère, t'a-t-elle dit quelque chose? Non. Mais t'a-t-elle dit qu'elle venait? Non. Et pourquoi est-elle là, non? Pour être honnête, elle m'a rien dit. Je n'avais aucune idée qu'elle arrivait. Mais t'as-t-elle dit quelque chose de mal? Pas encore, mais tu connais ta mère, non? Elle me cherche toujours les problèmes. Quand elle est dans les parages, je suis mal à l'aise. Bébé, écoute. Viens, bébé. Viens. Je sais qu'il y a constamment de problèmes autour de ma mère. Mais qui sait peut-être qu'elle a changé? Oui. Ta mère changée? Bien sûr. Ah, Coco. Bébé. Mon fils. Tu vois maintenant? Pourquoi est-elle là? Pourquoi elle te casse cette heure? Ouvrez-moi. Calme-toi, bébé, ne t'inquiète pas. Maman, j'arrive. Maman? Qu'est-ce que vous avez mis dans ma chambre pour qu'elle soit froide comme ça? Maman, c'est la climatisation. J'ai littéralement changé les climatisateurs dans la maison afin d'avoir un air plus frais. C'est trop froid, pourquoi n'as-tu pas laissé ma chambre hors de ce changement? Hein? Ok, d'accord. Mais néanmoins, maman, tu peux l'arrêter depuis ta chambre. J'ai dit une chose, tu parles d'une autre chose. Tchal ou quoi? Non, ne t'assois pas, va-t'en, maman. Je vais t'aider, je vais arrêter la climatisation. Baisser quelle clim? Dans ta chambre, la climatisation dans ta chambre. Je vais nulle part, s'il te plaît. Il y a trop de froid. Maman, vas-y, il a dit qu'il va éteindre la clim. Qui t'a parlé? Dais-je parler? Je parle à mon fils. Non, maman, tu ne dois pas parler à ma femme de cette façon, d'accord? Mais elle peut me parler comme elle le veut, c'est mais ça? Mais que t'as-t-elle dit de mal, je dors ici. S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, maman. Maman, tu ne peux pas rester ici, maman. Ce n'est pas juste. Maman, non. Fais attention, hein. Bébé. Je risque de te mordre. Bébé, viens. Allez, s'il te plaît, vas-y. Assieds-toi, bébé. S'il te plaît. Maman, lève-toi, va dans ta chambre. Allons dans sa chambre dormir et laissons-la ici. Si elle veut dormir ici, laissons-la, allons-y. Allez, maman, allez. D'accord, reste, chérie, viens, on y va. Regardez-le. C'est quoi ces bêtises? Bébé, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Ok? S'il te plaît. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est là, elle cause déjà les problèmes. Rien que les problèmes. Ah, elle a commencé ça au portail. Combien de temps vais-je supporter ça? Combien de temps? Ok, je sais que ma mère peut être un peu trop ennuyeuse. S'il te plaît, je sais que ce qu'elle a fait est mal. Je suis désolé. Un peu trop, tu as dit?
Elle en fait tellement, tellement trop. Je suis fatiguée de tolérer ses excès. Je suis vraiment fatiguée. Bébé, ok. S'il te plaît, je t'en prie. Peux-tu l'ignorer? C'est une vieille femme. Ignore-la, s'il te plaît. Je dois l'ignorer? Pendant combien de temps? Combien de choses vais-je ignorer, hein? Maintenant, elle est en train de dormir sur mon lit matrimonial. Qu'est-ce que c'est? Ok. Peut-on dormir dans ma chambre d'amis ce soir? S'il te plaît. Juste cette nuit. Tu sais ce qui me rend folle? Quoi? C'est le fait que tu cautionnes tout ce qu'elle fait. Bébé, tu es mon mari pour l'amour de Dieu. Bébé, voyons, j'essaie juste de faire régner la paix dans cette maison. Bravo. Ou alors veux-tu que... Mon amour. Bébé, ok. Je suis désolé. Ok. Écoute, bébé, laisse-moi tranquille. Bébé, oh, arrête, allez. Désolé, bébé. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur, laisse-moi tranquille. Arrête ça, je suis pas contente. Je sais. Je sais que ce qu'elle a fait est mal. J'essaierai d'avoir une conversation avec elle. Je suis désolé, s'il te plaît. Mon amour. Oh, bébé, je suis sérieuse. Ne me touche pas, je suis énervée. Maman, je vais aller rapidement au supermarché acheter quelques petites choses. Attends. C'est quoi ce court machin que tu portes qui expose tout ton corps? Hé, maman, ce n'est pas très court, non? Ce n'est pas trop court? Mais je peux voir ta cuisse là. Hein? Maman, ce n'est pas... Et tu trouves ça normal, c'est ça? Comment peux-tu porter ça pour aller au supermarché? Ce sont les filles célibataires qui portent ce genre de choses, qui cherchent quelqu'un qui les mettra chez lui. Qui vont d'habitude au marché faire la promotion de leurs marchandises. Où es-tu toujours dans le marché? Maman, je ne suis plus sur le marché, mais il n'y a rien de mal avec ce que je porte, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Tu pars faire ta promotion au supermarché. Hein? Maman, je... Arrête ça, s'il te plaît. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit, tu ne veux pas mes problèmes? Hein? Alors comme ça, Agathe est devenue une fouteuse de troupe? Ah. Maman, je n'ai pas dit ça, oh. C'est sorti de ta propre bouche, je n'ai pas dit que tu étais une fouteuse de troubles. Attends, tu me traites de fouteuse de troubles? Hein? Oh, maman, s'il te plaît, je t'en prie, au nom de Dieu, arrête ça. Je ne vais rien arrêter. Tu vas me maman, taper aujourd'hui. Laisse-moi aller au supermarché. Vu que je ne peux pas te conseiller dans la maison de mon propre fils, tu maman, me battras. Arrête, je ne veux tu pas, me battras. Je ne veux pas de problème. Arrête, maman, arrête. Mon Dieu, cette fille m'a poussée. Où aller? Je suis victime de violence dans la maison de mon propre fils. Où aller? Viens à mon secours. Hey, cette fille m'a poussée avec tellement de force. C'est délicieux. Merci, bébé. Hey. Tu vas bien, maman? Je ne sais pas pourquoi tu ne m'embrasses plus. Je voulais me faire un câlin à moi-même, mais je ne peux pas. Comment vais-je aller bien quand je mange une nourriture sans goût dans cette maison? Mais, maman, cette nourriture, cette bonne nourriture. Voyons, maman, cette nourriture. Maman, cette nourriture est délicieuse, à part que ton plat est assez différent. Oh, l'assaisonnement n'a pas été bien fait, laisse-moi voir.
Maman, cette nourriture a bon goût. C'est délicieux. Comment tu ne la trouveras pas délicieuse, hein? Quand ton sens du goût est déjà mort. Voyons, maman, comment tu peux dire que mes papilles gustatives ont été condamnées? Cette nourriture est délicieuse. Tu vois ces gens qui sont en route qui disent souvent faire condamner, t'as par ces goûts condamnés, langue condamnée. Tu es condamné, ta bouche est condamnée. Je ne suis pas condamné au nom de Jésus. Maman, s'il te plaît, arrête ça, cette nourriture est délicieuse. Arrête, s'il te plaît, je ne veux plus parler de tout ça. Laisse-moi gérer cette nourriture en paix. Attends, toi, est-ce qu'on ne t'a pas formé pour cuisiner là où tu sors? Maman, tu ne peux pas parler et agir comme ça cette nuit. Si tu n'aimes pas cette nourriture, je peux aller dans la cuisine et te faire quelque chose à manger. Mon Dieu, mon cœur! Hey! Hey, c'est ça? Ah. Tu veux aller cuisiner quand tu as une épouse? Je ne comprends pas. Hey! Tu es un homme africain. Uh-huh. Et un homme ibo de surcroît. Oui. De là où je viens, les hommes n'entrent pas dans la cuisine. Voyons, maman, nous nous trouvons dans une autre génération. Nous sommes en train de parler du 21e siècle. Hey, j'ai pourtant dit. Tout le monde cuisine, maman. Hey, je l'ai dit, cette fille t'a transformé en un momo. Maman, tu ne peux pas faire un tel jugement ce soir. Elle ne me transforme pas en imbécile, je ne suis pas un imbécile. Tu es un momo en grosse de surcroît. Tu es un momo, ta femme t'a transformé en un momo. Hey. Maman, je ne suis pas. Viens, maman, bébé. Maman, tu vois ce que tu as causé? Pardon, laisse-moi tranquille. J'espère que tu es vraiment contente. Tout le monde t'a abandonné la table. Bébé, mon amour. Regardez, bébé, attends. Mon fils, regarde mon amour. Comme il la suit comme un chien bébé. Affamé. Hey, mon Dogou s'est transformé en un Diego. Oh, Diego! Venez ouvrir ce portail qui est là. Ouvrez! C'est qui ça encore? Salarié comme toi. Hé, hey, ouvre-moi ce portail. Ouvre ça. Je vous connais pas, cher monsieur. Tu vois cette maison-là? Elle est à moi. Quoi? Elle est à moi, cette maison. Vous parlez de quelle maison? Celle que tu vois. Cette maison m'appartient. Alors ouvre ce portail avant que je... Ouvre ce portail. Il y a vraiment des fous un peu de partout. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Est-ce que tu viens de m'appeler un fou ou quoi? J'ai pas dit que vous étiez fou, monsieur. J'ai pas dit que vous Est-ce étiez fou. Est-ce qu'un fou peut s'habiller je comme pas ça? Insulté. Comme je suis habillé là sur D'accord, mon 31. C'est bon, vous avez assez parlé. C'est bon, ce portail je vais aller demander à l'intérieur. Dépêche-toi d'aller demander. J'ai dit que je vais aller demander, calmez-vous. Voir, pas besoin de crier. Dépêche-toi, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Hein? Regarde-toi. Patron! Tu es là et on te prend ta maison. Vous devez Patron. Parler. Hein? Bon après-midi, maman. Qu'y a-t-il? Madame, pardon, je veux voir le patron. Pourquoi? Ben, il n'y a rien, je veux simplement le voir. Je te demande pourquoi et tu lèves le ton. Non, mais tu es malade. D'accord, désolé. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Il y a un dingue là dehors. Il dit que cette maison lui appartient. Pardon? Il parle de quelle maison? Cette maison. On dirait que cet homme fou sort de ton village. Mais voyons, madame, je vous dis qu'il est un fou là et vous me calfiez de fou maintenant. Ferme-la, avance. Va me montrer il qui est. Il est là dehors. D'accord, on y va. Montre-moi ce fou qui clame que cette maison est la tienne. Non, venez, mais il est là. C'est quoi ce genre venez, de... Venez, vous allez voir. Montre-le-moi. Il est là. Celui qui dit que voici sa maison. Agatha! Ticker! Ouais, c'est bien moi! C'est bien moi! Et toi, qu'est-ce que t'attends? Mais ouvre ce portail avant que je ne nerve! Espèce de moins qu'à rien! Madame, t'es sourde?
Ouvre ce portail. J'ouvre ce portail. Maman, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, calme-toi. Pourquoi est-ce que cet homme a quitté son village, hein? Ce n'est pas là un esprit de suivi, hein? Demande-lui d'y retourner où? Maman, il est venu aussi pour la réunion. Quelle réunion? En tant que quoi et en tant que qui? En quoi a-t-il contribué quand vous grandissiez? Même pas le... Je n'ai pas vu ça venir de cet homme quand je vous ai élevé. Alors qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Il veut récolter où il n'a pas semé. Écoute, il doit s'en aller d'ici. Allez, maman, il ne peut pas rentrer cette nuit. Ah, ok, au moins, laisse-le passer la nuit. Hein? S'il te plaît. Non, mais quelle nuit? Dans quelle maison? Écoute, Jérémy, c'est toi qui l'as laissé entrer. Pourquoi lui as-tu donné une chambre pour commencer? Hé, hey, maman, nous sommes en train de parler de mon oncle, là. Tu commences à m'ennuyer où? Écoute, écoute, va lui demander de rentrer maintenant. Hein? Je vais aller lui demander de le faire moi-même. Non, maman, maman, du calme, du calme. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, permets que nous ayons une grande réunion familiale. S'il te plaît, maman. Chukwu Ebuka. Oui, maman. Chukwu Ebuka. Oui, ma douce mère. Ma douce mère. Allez, ma charmante mère. N'importe ma quoi. Ma douce mère. Et c'est inutile. Tout ce qu'il sera là à faire, c'est de mal se comporter et manger. Maman, mais... Maman, cela ne changera rien en moi. Ça ne changera pas qui je suis ni qui tu es. Ok, maman, pense de cette façon. Que diront les aînés si nous le faisons partir? Ça ne présentera rien de bon pour nous. Hein? S'il te plaît, laissons-le rester, hein? Je veux dire, après la réunion, tout le monde partira. Hein? Oui? Tu es déjà fatigué de moi? Comment? Tu as dit qu'après l'assemblement, tout le monde s'en ira. Cela inclut moi. Tu es fatigué de moi? Non, non, non. Maman, voyons, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que voulais-tu dire? Allez. Ce que je voulais dire... Ok, maman, ce que j'essaie d'expliquer est que... Ici, non, c'est pas... Si tu voyais comment il est tombé, tu n'y croirais pas. Ouais, il est tombé avec le front par terre. Je ne suis même pas surprise que tu ris de ces blagues. Il n'y a que les animaux de même race qui se comprennent. Ah, maman, ce n'est pas une bonne chose à dire, non? Je ne peux plus être heureuse. C'est quoi ce genre de questions que tu me poses là? Et toi, Igbo, ne reste pas au travers de mon chemin quand tu seras dans cette maison, car je ne sais même pas ce que tu fais ici. Mon petit sucre Agatha. Vas-tu arrêter de m'appeler de cette sale façon? Pourquoi? Es-tu plus mon petit sucre Agatha? Est-ce que tu vois? Tu vois pourquoi je disais que je ne veux pas qu'il reste ici? Voilà, il a commencé. Oh, maman! Ne t'inquiète pas trop, hein, tout ira bien. Ma douce mère, sois encore la bienvenue, mon oncle. Merci beaucoup. Oh, merci énormément, mon merveilleux neveu. C'est ça. Ok, mon oncle, viens, je te montre ta chambre. Ah, oui. D'accord, merci beaucoup. C'est le moins que je puisse faire. Bah. En accord avec ma merveilleuse femme, ouais, ma très douce sais, femme. Je l'ai vu. Bienvenue, mon oncle. Et toi, Agathe, on y va, mon c'est oncle. Quoi avec les mots ange? Surtout ne me touche pas, sinon je vais te frapper la matinée. Oh, calme-toi, madame. Allez, mon oncle, viens, on y va, ne perdons pas assez de temps, d'accord? Oh, on toujours, y va, mon oncle. Elle est toujours agressive, tout le temps, elle est comme ça. Ok, voici ta chambre. Oui. Tu sais que tu n'es pas quelqu'un de bien. Maman, comment? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis venue dans cette maison, tu n'as jamais souri avec moi ou faire des blagues avec moi. De la façon dont tu riais, kaka, avec cet homme stupide. Ah, maman, ce n'est pas de ma faute, non? C'est parce que toi-même, tu ne blagues pas avec moi.
Tu ne me fais jamais de blagues ou bien ne blagues pas avec moi. Tu cherches juste les problèmes tout le temps. Tu cherches les problèmes même où il n'y en a pas. Je cherche des problèmes. Ah. C'est ce que tu trouves à me dire. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Hé, hey, maman! Ah! Maman, là maintenant, tu cherches les problèmes. C'est toi qui me cherches les problèmes. Comme ça, je cherche des problèmes. Maman, je cherche des problèmes. Oh mon Dieu, il y a un fantôme dans la maison. Un fantôme, un fantôme. Hey, hey. Le fantôme. Maman, dites pas qu'on a des fantômes dans cette maison. Maman, pourquoi est-ce que tu cries? Attends, Igbo. Mais c'était toi dans la cuisine comme un esprit mauvais. Tu m'as presque donné un arrêt cardiaque. Et qu'est-ce que tu fais avec cette marmite? Non. Mon oncle. Est-ce ma marmite de sauce? Non. Je pensais que tout le monde dormait. Bon. Écoutez, j'ai vu un rat. Ok? Un rat. Un énorme rat. Je l'ai pourchassé, elle est entrée dans la cuisine. Et elle est allée se réfugier dans la marmite. Tonton, un rat à l'intérieur du pot? Mais comment? Nous n'avons pas de rats dans cette maison, tonton. Mais non, nous avons des rats! Et c'est toi qui as mené ces rats dans cette maison. Que veux-tu dire, maman? Un rat très gros et mature. Voici ce rat. Mon oncle. Bébé, c'est bon. Allons dans notre chambre. Allez où? Tu as invité cet homme ici. Et durant le peu de temps qu'il a passé, il m'a presque donné un arrêt cardiaque. Il a déjà démoli une marmite de nourriture. Il a ramené ses habitudes de vol depuis le village. Arrête. Tu vois, c'est pas parce que je t'aime. T'entends? C'est pas parce que je t'aime que tu vas m'insulter, sinon je vais t'en coller une baffe. Hein? Je vais te coller une baffe que tu vas t'oublier, je te jure. Tu vas faire quoi? À toi! Je vais t'en coller une! Pour empirer les choses, tu me pointes le doigt, moi, à Agatha. Agatha la grande. Mm-hmm. Tu me baffleras. À toi! Tu ne sais pas que tu es juste un carton? La boisson a enlevé tout ce qui vivait en toi. Tu es presque mort. Si je te touche simplement, tu iras directement à la morgue. Ougnard, donne ma marmite ici. Si jamais je te revois dans cette cuisine, je t'enfermerai ici. Fais attention à toi, hein. Essaye voir. Tu ferais mieux de Ferme-la, faire attention. Tu ne devrais si même c'était plus pas parler. Que je t'aimais, hein. Regardez-moi. Tu aurais ça. Déjà bastonné et donné. Les habitudes de criminels depuis le village. Il n'y aura pas de paix dans cette maison avec ces deux dans les parages. Parce que ce qui vient de commencer là... Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas que tu insultes ma mère. Donc tu arrêtes. Bébé, je n'ai pas insulté ta mère, je n'ai rien dit de mal. Essayes-tu de me mettre en colère ou quoi? Bébé, je suis désolée. T'inquiète pas pour bébé, ça. Bébé, on n'en est pas arrivé t'inquiète, là, non? T'inquiète, je dis. Bébé... Mon amour. Bonne nuit. Bébé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne l'as pas insulté. Désolée, non? Bébé, désolée, je blaguais juste. Dis-le encore. Qu'est-ce que tu veux que je redise encore? Mais dis-le encore, okay, mon bébé. Et voilà. Bébé, arrête. Allez. Je t'ai eu. Bébé, je t'ai eu. Arrête ça, bébé. Je t'ai eu, pas vrai? Oh, maman. Oh, maman, tu nous as rejoints. Actuellement, nous sommes en train de regarder notre programme. Tu veux regarder ça avec nous? Je ne suis pas sûr que tu vas comprendre. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis en train de faire à ma petite femme des petits massages. Il faut le faire de temps à autre. Oh. Ouais. Ok, mais... Ce n'est pas là le traitement qu'on donne aux femmes enceintes.
Où est-ce que ta femme est tombée enceinte la nuit dernière? Maman, arrête ça. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu racontes déjà? Qu'est-ce que j'ai dit de mal maintenant? C'est ce qu'on fait aux pieds des femmes enceintes. Où est-elle enceinte? Ou c'est une façon de te le dire? Hein? Oh, ok. Sauf si tu es d'humeur à masser les pieds des femmes qui ne sont pas enceintes. Vu que tu es d'humeur à masser les pieds. Aide-moi à masser mes pieds, j'en ai besoin. Maman, qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je n'aime pas ça, non? Qu'est-ce que ça signifie? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me battre ou quoi? Tu sors tes yeux, vom. Veux-tu me battre? Je suis là pour mon massage de pieds. Vu que les femmes qui ne sont pas enceintes se font masser les pieds, laisse-moi me faire masser les miens. Ok, calmez-vous toutes les deux. Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Ok, tu sais quoi? Je vais engager des personnes pour masser tes pieds. Non. Tu ne masseras pas ses pieds. Maman, enlève tes pieds. Enlève tes pieds. Oh, mon Dieu! Ouais, mais... Elle a poussé mon pied au sol. Comment oses-tu? Oh, laisse mon mari masser mes pieds. Maman, pourquoi est-ce que tu me mords? Laisse-moi tranquille. Bébé. Viens t'asseoir ici. Viens, Je dégage d'ici. Viens, je te mange ton fils, mange-le. Et je garderai en morceaux au frigo pour la fête de Noël. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Tu vas trop loin, arrête. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Toujours en train de causer des ennuis. C'est quoi ton problème? Bimo. Après tout ce que j'ai enduré pour toi et tes frères après la mort de votre père, j'ai été abandonnée par tout le monde. Je me suis donné mes pieds pour que vous ne manquiez de rien et c'est comme ça que tu me remercies. Désolé. Tu acceptes que cette fille m'insulte. Désolé, maman. Désolé. Et après tout ce que j'ai enduré. S'il te plaît. Maman, elle t'a pas insulté. Calme-toi. C'est tout ce que mon corps a enduré pour t'amener dans ce monde. Maman, je ne comprends pas. Ta tête. C'est quoi avec ma tête? Ta tête était tellement grosse au point où je me suis déchirée. Maman. Les infirmières n'avaient jamais vu une tête aussi large. Jésus-Christ, maman, quelle tête? Et ils ont refusé de me faire la césarienne et j'avais peur. Ils m'ont demandé d'accoucher. Enfin, passe. Allez, maman, arrête. Et j'ai dû pousser. J'ai poussé. Et je t'ai poussé dehors, Maman, arrête de dire ça. Elle m'a déchiré comme ça. Tu m'as tellement torturé. J'étais comme un trou ouvert. Bien, maman, arrête s'il te plaît. Pour que ta tête puisse passer. Maman, ça me sentait mal, maman, arrête. Bien, je vais prendre juste un peu de ça. Est-ce que ta part doit toujours être différente? Hein? Manger toujours comme un voleur. Agatha. Laisse-moi tranquille. Je suis tranquille dans mon coin, laisse-moi manger mon plat. Laisse-moi tranquille. Maman, s'il te plaît, peut-on manger en paix? Je ne peux plus parler. C'est pas la vérité, il ne mange pas comme un voleur. C'est parce que cette nourriture est délicieuse, c'est pourquoi je mange comme ça. Merci, mon oncle. Je savais que tu serais contente. Tu aimes quand quelqu'un te ment comme ça. Mais moi, Agatha, CWO, je ne mentirai jamais. Ok, maman, nous t'avons entendu, alors pouvons-nous manger? Arrête de m'interrompre. Ok, désolé, maman. Tu sais quoi, mon neveu, je vois que ta mère n'a pas changé d'un poil. C'est une prison ambulante. C'est toi qui es fou. Tu es un soulard fou.
Est-ce qu'une jeune fille devrait manger autant? Hmm? C'est la raison pour laquelle tu n'as pas pu tomber enceinte. Toute cette nourriture va bloquer le passage des spermatozoïdes dans ton ventre. Maman, ok, c'est assez. Ah. C'est assez. Qu'est-ce que j'ai dit? N'est-ce pas un fait médical? Elle a toujours à dire celle-là. Bouc. Maman. Quoi? Ok, maman, si tu n'arrêtes pas de parler, nous allons laisser cette table et la nourriture pour toi. Et tu vas manger toute cette nourriture, tu vas la manger toi seule. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît, arrête. Au moins comme ça, elle va fermer cette bouche. Ah, bébé, tu n'as pas appelé mon oncle? Je l'ai appelé, mais il a dit qu'il arrivait. En tout cas, je m'en vais le rappeler. Non, viens. T'inquiète, peut-être qu'il dort. Ok, si tu le dis. Maman, j'ai fait appeler cette réunion pour qu'on sache exactement ce que tu as prévu pour la réunion de Noël. Tu sais, les retrouvailles sont presque là et tout le monde sera bientôt de retour. Bien. J'ai pas encore déterminé les activités que nous ferons, mais j'y pense encore. Puis-je faire une suggestion? Ok. Reine des abeilles, c'est la réunion de la famille d'Agathe et non la réunion de Trisha. Keisha, maman. Elle s'appelle Keisha, s'il te plaît. Je ne sais pas pour maman. Je suis fatiguée, elle n'écoute pas, elle est très têtue. C'est ta mère qui est une chèvre. Ah bah maman. Je t'ai pas traité de chèvre, pourquoi insulter ma mère? Qui ne sait pas que c'est la chèvre qui est têtue? Maman, pourquoi? Pourquoi es-tu si pénible? On dirait que plus tu vieillis, plus tu deviens pénible. Exactement. Je ne t'en veux pas. C'est cette fille qui t'a ensorcelée pour que tu n'aies plus de sens. On parle d'activité de Noël, elle vient parler de réunion. Depuis combien d'années je lui ai demandé un petit enfant? Vous n'avez pas pu m'en donner un, même si c'est le pied qui sortait et repartait. Pour que je voie, vous ne me donnez pas ça. Tout ce que tu fais, c'est de t'asseoir ici dans la maison de mon fils et prêcher comme un pasteur et manger son argent. Voleuse. Bébé, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ta mère? Rien de ce que je fais ne semble lui plaire. Bébé, mon amour, écoute. Ce n'est qu'une question de temps pour que ma mère voie la merveilleuse personne que tu es. Quand? Ça fait déjà 2 ans et elle ne fait même pas d'efforts. Bébé, écoute. Comme je te l'ai dit, d'accord? Sois patiente. Ok? S'il te plaît, cela ne change pas le fait que je t'aime. Tu es mon ange. Ma petite fleur blanche. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-lui un peu de temps. Laisse-moi accueillir mon mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi saluer mon fils. Maman. Mon fils, sois la bienvenue. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Bébé? Va prendre de l'eau. Bébé? Va prendre de l'eau. Dépêche-toi. Oh, allez! Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Comment vais-je raconter cette histoire au monde? Que j'étais là, quand ceci est arrivé à mon fils.
Où est cette eau? Hey, cette fille est lente, cette fille est lente, elle a l'esprit lent dans son corps. Attends, laisse-moi aller la chercher. Hey, mon fils, mon fils. Ah, ah. Maman, tu vois ce que tu as causé. Maman, ferme-la. Tout ça, c'est de ta faute. Non, mais va, tu la fermes là. Comment mon fils peut disparaître de cette façon? Hein? Attends. Où est ce gardien? Où est le gardien? Où est-il? Maman, je n'aime pas ça du tout. Je t'ai demandé de la fermer. Arrête. Ah, maman, arrête. Arrête de me parler. N'importe maman, quoi. Maman, moi aussi, j'ai de l'eau. Qu'est-ce que tu dis? J'ai aussi de l'eau. Ce n'est pas une compétition. Eh bien... Ouais... Eh bien... Eh, franchement, quoi de neuf? On dit quoi, vous avez déjà atterri? Oui, frérot, on vient juste atterrir. Oh, merci Dieu, pour les voyages miséricordieux. Sur mon chemin pour chez toi maintenant. Eh, hey, mes bébés! Ça fait du bien de vous entendre. C'est pareil, tonton Jérémy. Idem pour moi, j'ai trop hâte de vous voir. Je suis impatiente de te voir. Carissa est là? Puis-je la voir au téléphone? Oui. Hé, hey, Carissa? Salut, Jérémy. Comment tu vas? Ça fait du bien de t'entendre également. C'est pareil, on se voit bientôt. Ok, je te vois bientôt. Oh, tu peux remettre le téléphone à Kinsley? Alors, franchons, quoi de neuf? Ok, bro, on se voit tout à l'heure, alors. Ok, sans problème, on se voit plus tard. Ok. Ok, à plus. Hey, ma famille. Je vais reporter ma séance de gym à demain matin. Je suppose que c'est fermé à 7h. Yep. Ouais, demain matin. Maman, hey, t'es toute belle là. Mon cher, c'est Dieu qui mange l'argent. Je suis trop content de te voir. Bienvenue. Oh, regarde mes petites. Elles merci sont devenues de magnifiques jeunes femmes. Je suis si contente. Merci grand-mère. Bienvenue. Oh. Je te présente mon amour, maman. C'est bien de te voir, maman. Je dois dire que Kingsley n'exagérait pas quand il a dit que tu ressemblais à une déesse vivante. Tu peux encore le dire. J'adore ça. Alors, frangin. Oh. Content de te voir. Moi aussi. Oh, waouh. Wow. Qui on a là? Salut. Ah. C'est si bien de comment te voir. Comment tu vas? C'est si bon de te voir. Et tout toi, viens là, comment tu vas? On les installe, n'est-ce pas? Oh, oui. Et vous m'avez tellement manqué. Bon à nous dire.
Assieds-toi là. Tu m'as oublié. Enfin. J'ai cru que tu n'allais jamais me voir. Papa, t'as pas vieilli, t'es toujours aussi frais. Merci. Bienvenue. C'est bon de t'es te revoir. T'es toujours dangereux. Tu fais toujours tes trucs, toi. Je ne me sépare jamais de ça. Allons-y, bébé. Ok, allons-y, bébé. Okay. Allons leur montrer leur chambre, chérie. Mon épouse, bienvenue. Merci. Bienvenue. Attends, est-ce que tu manges du okwogu? Oh, tu en manges? Wow, hey, toi, votre maison est très jolie. Il faut lui servir de la nourriture. Wow. Moi, je vais aller m'occuper de mes affaires. Pardon, dégage d'ici. Ça fait du bien de te voir, ouais. Au moins, ce matin, j'ai quelqu'un avec qui bavarder. Bien sûr, on a beaucoup à se dire. Oh, alors, dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Comme tu vois, le Seigneur s'occupe de nous. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'eau. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de l'eau locale. L'eau, c'est de l'eau. Bois ce qu'on te donne. Non, grand-mère, l'eau, ce n'est pas l'eau. Et papa, s'il te plaît, je ne veux pas me répéter. Hein? C'est bon, chérie. Papa va te trouver de l'eau, ok? Attendez, que se passe-t-il? Vous tournez un film? Est-ce que vous tournez un film? Ça doit être un film. Si tu tentes de te lever de là, je casserai ce plat sur ta tête nue. C'est quoi cette éducation? Et toi? Bois-moi cette eau. Mais grand-mère, elle a dit qu'elle ne veut pas boire cette eau. Si je frappe ma main sur ton visage, ta petite bouche apparaîtra sur ta tête. Je t'ai demandé de boire cette eau. Grand-mère, j'accepte pas qu'on me donne des ordres. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, écoute-moi. Toi, cette petite fille gâtée. Ici, c'est le Nigeria. Et je suis ta grand-mère. Je te punirai si tu ne bois pas cette eau. Tu n'es pas trop grande pour ne pas être punie. C'est bon, maman, s'il te plaît. Et toi, ferme-la. Ne te mêle pas de ça. Ne me mets pas en colère. Toi, bois-moi cette eau sur le champ. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Maman, tu dois boire cette eau. Encore maman, un seul mot. Et je te montre que je suis capable. Qu'est-ce qui vous arrive? Bois-moi cette eau. Maman. L'éducation des blondes, c'est de conneries. Ne sois pas ennuyeuse. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Non, je ne pense pas que tout aille bien. Qu'est-ce que ça voulait dire ces conneries qui se sont passées plus tôt quand on mangeait? Hein? Des petits enfants te commissionnent et tu te lèves pour y aller. Mais maman, ce n'est rien de sérieux. C'est très très sérieux. Maman, c'est comme ça qu'on vit aux États-Unis. Ça voudrait dire que vous êtes dans tous des fous. Ce n'est pas normal, mon fils. Ce n'est pas de cette façon que je t'ai éduqué. Ah! Qu'y a-t-il? Élèves-tu des bombes? Comment ça? De toute façon, on dirait que ces gens qui vivent là-bas chez les Blancs ont détruit leur cerveau. Ne t'en fais pas, tu es ici maintenant. Je remettrai vos cervelles en place, la tienne et celle de tes filles. Maman, tu es un peu trop dramatique, là.
Qui est là? Entre. Puis-je m'asseoir, s'il te plaît? Si tu veux. Es-tu toujours énervée pour ce qui s'est passé? Maman, je veux juste que tu saches que je n'ai pas gâté les enfants. Je viens d'une famille stricte et mes parents ne m'ont pas vraiment gâté. Kingsley les a gâtés. Il les aime tellement et accepte tout ce qu'elles font. Attends. Essayes-tu de me dire que c'est Kingsley qui a gâté ses enfants de cette façon? Oui, maman. Tu peux le lui demander. Sans problème. Je la rééduquerai avant leur retour. Ah, maman, j'apprécierais vraiment. Cependant, je t'ai pris ça quand je suis allée faire du shopping. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas la moitié de ce que Kingsley t'a pris. Hey! Tu n'es pas sérieuse. Oh, hey. Eh oui, viens, mon enfant. Je t'aime tellement. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. T'en prie, maman. Je l'ai toujours su. Je l'ai su depuis le départ que tu étais la bonne femme pour mon fils. Merci beaucoup, maman. Tiens, cette Krisha, elle n'a jamais pensé dans sa tête de m'acheter quoi que ce soit. Même pas un petit slip. Tu veux dire Kisha? Peu importe quoi. Mais maman, elle n'a pas l'air chiche. Raison pour laquelle on dit que l'apparence est trompeuse. Ok, très bien. Je suis là maintenant. Et ne t'inquiète pas. On fera beaucoup de shopping ensemble. Tchaï, mon enfant. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, on prie de rien. Yes, bien sûr, ça. I love them. I don't like it, but I love it. Ils ne me plaisent pas, mais je les adore. Merci, maman. Prends soin de toi. Nya, Marga. Elle est vraiment très belle. De qui tu parles? Qui d'autre? Carissa, bien sûr. Oh, j'imagine, nous avons de beaux yeux dans notre famille. Bébé? Je t'apprécie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'apprécies? Pour être si compréhensive. Bébé, allez. Nous sommes une famille. Ils sont ma famille, ok? Oui, je sais, mais certaines femmes ne comprendront pas comme toi tu le fais. Eh bien, je ne suis pas la plupart des femmes. Je suis Kisha. Je le sais bien. Mon bébé Kisha. Mon bébé Kisha. Bébé, mon bébé Kisha. Mon bébé Kisha. Bébé, arrête. Allez, bébé, viens. Bébé, arrête, on a des étrangers. Ne tiens pas compte d'eux, hein. Va d'abord fermer la porte. La porte peut attendre. Allez, ça peut attendre. Eh bien, viens. Tu fais tout pour me déconcentrer. Allez, viens par là. Tu cries, hein. C'est moi, Jérémy, hein. Right in front of me, yeah, 'cause there's nothing more that
that a man could ask for to be fulfilled. The love of family. Yeah, yeah. Say no matter how far I go, I won't forget the place that I come from. So no matter how long it takes, I'll always know my way, my way, my way back home. I get lost in the smiling faces. I'm reminded of the missing. You know, there's no hiding places for grief. We just happy people. Say no matter how far I go, no, no, I won't forget. I won't forget the place that I come from. So no matter how long it takes, I'll always know. Oh, 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 oh. Oh. Oh, mon Dieu. C'est air frais. Oh. Je savais pas que cette chambre pourrait... Attends, c'est le salon ou c'est la chambre? Je savais pas que ça pouvait être aussi frais. Oh, c'est bien. Oh, Iqbo. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Attends. Bon. Que se passe-t-il ici? Hein? Pourquoi as-tu ouvert les rideaux de cette façon? Hein? Pourquoi as-tu ouvert partout comme ça? Ça a toujours été ton problème. C'est toujours ça ton problème. Toujours en train de tirer des conclusions. Que veux-tu par là dire? Ça veut dire que j'ai pas ouvert les fenêtres. Oh, ce sont les esprits qui les ont ouvertes. N'es-tu pas seul ici? En fait, qu'est-ce que tu fais même dans cette maison? Tout ce que tu fais, c'est de dormir, manger et boire. Tu n'apportes aucune contribution dans cette famille. C'est ça que j'aime pas sur toi, Agatha. Arrête, ne m'insulte pas. La seule raison pour laquelle je te permets de me parler ainsi, c'est parce que je t'aime. Je t'aime. Que cet amour te tue. Garde ton sale amour pour toi-même. Écoute, n'ouvre plus jamais ces rideaux de cette façon, je n'aime pas ça. Il expose toute la maison. Qui t'a dit que je les ai ouverts? Exposer toute notre famille. Tu ouvres les rideaux comme si tu étais chez toi. Si jamais quelqu'un passe, il verra ce qui se passe dans notre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux aussi. Agatha, viens. Ne touche pas. Pourquoi est-ce que tu ne te joins pas à moi? Me joindre à toi pour faire quoi? Prendre une gorgée. Écoute, ne sais-tu pas qu'il y a des enfants dans cette maison? Et alors? Et alors? Cette bouteille de vin que tu tiens toujours, va la tenir dans ta chambre et tue-toi là-bas avec ta boisson. Ne viens pas boire ici pour corrompre les enfants. Et qui a dit que j'allais corrompre ces enfants? Qui l'a dit? Ces enfants sont déjà corrompus. Ouais, ils sont corrompus. Tu vois quand je dis qu'il n'y a pas de cervelle à l'intérieur de ta cabosse, tu diras que je parle trop. Merci, madame. Et puis, au fait, qu'est-ce qu'on a pour le petit-déj? Regarde les hanches. Oh, et permets au moins que ça serve à quelque chose que de gaspiller tout ça. Apporte-la-moi que je me serve. Les hanches contre les hanches. Oh, Iqbo, t'as des punchlines. Les hanches contre les hanches. Ah, apporte-les-moi que je me serve. Comme ça, je pourrais bien m'amuser. Quand j'étais plus jeune, je pouvais avoir tout ce que je veux. Mais, Dieu merci, aujourd'hui, elle comprend qu'il y a un homme dans la maison. Tu ne peux juste pas nous surprendre comme ça? Oui, et si nous étions nus? Attendez,
Ça ne peut pas être moi que vous parlez. La vieille, c'est à toi. Connais-tu le mot intimité? Exactement, nous ne sommes plus des enfants. Alors c'est sur moi que vous parlez le gros français ce matin, hein? Hein? Hey, Agatha, tu as vu autre chose. Allez, passez, toutes les deux. Hors d'ici. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Vous me demandez s'il y a un problème? Attendez. Sortez, allez, sur le champ. À la cuisine. Qu'est-ce qui arrive aux enfants de nos jours, hein? Allez, sortez d'ici. Allez, allez. Nous pourrons appeler la police pour toi, pour cet acte que tu poses. Oui. Applaudissez pour vous-même, hein? Ne vous en faites. Je vous donnerai des frais de transport pour aller appeler la police, oh. Mais, en attendant, lavez-moi ces assiettes. La vaisselle? Mm-hmm. Mais nous n'avons jamais fait ça. Alors ce sera la première fois. Papa ne va jamais nous le permettre. C'est à moi que vous parlez toujours le gros français. Allez, rapidement. Lavez-moi ça. Lavez-moi ces plats. Prends cette éponge. Prends cette éponge. Prends cette éponge, toi. Allez, mets le savon. Mets le savon. Mets le savon. Alors comme ça, vous mangez. Vous mangez, c'est votre maman qui lave les plats pour vous à la maison. C'est sans ce connerie que vous faites quand vous êtes là-bas. Ne vous en faites pas. Ça prend fin aujourd'hui. Allez, vous connaissez comment manger, mais vous ne connaissez pas laver. Notre père ne nous laisserait pas laver. Est-ce que votre père mange à votre place? Mais vous ne savez pas comment laver des plats. Allez, lavez-moi ça rapidement. Elle se penche là comme un palmier. Toi, tiens-toi là-bas et lave-moi ces plats. Vous savez comment manger, vous ne savez pas laver. Allez, lavez-moi ces plats. Ce n'est pas possible, ça. Les simples plats. Les plats. Ils ne peuvent pas demander à ces enfants de laver. C'est ça qui les a fatigués au point où ils dorment comme des cadavres. Hein? Hey! Des enfants gâtés. Bonjour, maman. Bonjour. Tu t'es déjà réveillée? Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais dans la nuit au point où tu te réveilles aussi tard? Maman, il est juste 9 heures. 9 heures du matin. Seulement 9 heures du matin. Qu'une femme mariée avec des visiteurs chez elle se réveille. Maman, j'étais fatiguée. Ne te fâche pas. En colère, hein? Je ne peux pas gaspiller la colère sur toi. Ce sera gaspiller des émotions. Eh oh! Bonjour, maman. Bonjour. Hey, Kisha. Hey, Carissa. Assieds-toi là. Ah, tu allais faire du sport? Oui, maman. Dans la rue, là. Bah, étonnant que tu aies un corps aussi magnifique. Et ça me garde en forme. Jai.
Qu'est-ce que tu manges? C'est le onzo. Oh. Onzo. C'est très bon. Ok. Puis-je en avoir? Oh, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il? Cette merde n'est pas bonne, maman. Ce n'est pas de la merde, c'est le zonzo. Hein? Ça n'a pas de goût dans ma bouche, Bug. Désolé. Redonne-moi ça. Ew. Maman, as-tu vu les enfants ce matin? Oui, elles étaient là très tôt et elles m'ont aidé avec les travaux ménagers, mais elles dorment maintenant. Quoi? Tu veux dire Luna et Anna t'ont aidé avec les tâches? Oui, bien sûr. Wow, c'est étrange. Tu sais, les choses arrivent. Luna. Ok, d'accord. Maman, je vais aller prendre un bain. D'accord, chérie, tu peux y aller. Ok. D'accord. Si tu as besoin de massage après tous ces exercices, okay. Je peux t'aider. Tchaï, ça c'est une femme intelligente et sage. Pourquoi ton visage est comme ça? Rien du tout. Maman, qu'est-ce que tu veux au petit déjeuner? N'importe quoi. Ah. Non, tu ne peux pas me dire n'importe quoi. Tu dois me dire ce que tu veux pour que je le fasse. Je ne veux pas que tu te plaignes. Allez, vas-tu, dégage d'ici. Je t'ai dit que n'importe... Allez, dégage d'ici. Dégage d'ici. Mais tu ne voudrais pas qu'on se batte. Ou alors que je me plaigne. Regarde-toi, je ne te blâme pas. Allez, réveille-toi. Je suis fatiguée. Tout mon corps me fait mal. Je sais, moi aussi. Mais à quelle heure on s'est exactement endormi? Je ne sais pas. Réveille-toi, nous devons prendre notre bain et aller manger. Je n'ai même pas la force pour me lever de ce lit. Je sais, mais nous devons aller prendre notre bain. Je n'ai pas de force. Qu'y a-t-il cette fois? Vous êtes toutes les deux réveillées. Allez, allons manger. Allez. Nous devons prendre notre bain. Ok. Allez-y. Allez vous laver. Je vous attendrai ici. On a besoin d'intimité, grand-mère. D'intimité. Tu parles d'intimité? Qu'est-ce que vous cachez? Hein? Ce sont ces petits poils que vous avez sur vos aisselles qui vous font être intime, c'est ça? Ah, je verrai tout avec ces enfants. Oh, elles sont même sérieuses. Ok, je vous donnerai votre intimité. Mais si vous ne vous dépêchez pas, je reviendrai ici. Est-ce qu'elle va bien? Mentalement, j'en doute. Je vais fermer la porte. Igbo, qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Rien. Tu dis rien? Igbo, tu as quelque chose dans la bouche. Mais il n'y a rien. Igbo, ce n'est pas ta bouche qui est en train de bouger là. Maman, j'ai dit qu'il n'y avait qu'est-ce rien. Qu'est-ce que c'est, hein? Il est allé voler la viande dans la cuisine. Comment peux-tu dire que j'ai volé la viande? J'ai pas volé de la viande. Tu as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? Ok, mon oncle, qu'y a-t-il dans ta bouche?
Écoutez, il y a de la soupe qui est restée dans la marmite. Je l'ai vue mensonge. Et je l'ai mangée. Mensonge. Mensonge. C'est faux ce que tu dis. Comment peux-tu dire que c'est un mensonge? Quand t'as fait la soupe, as-tu mis c'est quelque chose mensonge. Dedans? Regardez-la. Maman. Je suis en train de dire que j'ai rien pris. Tranquille. Je savais que tu le soutiendrais. Je ne le supporte pas. Pardon, arrête de parler. Écoute, n'entre plus jamais dans ma cuisine pour faire une telle chose. Je vais te le dire, j'ai pas pris de viande dans la marmite. C'est bon, maman. Je n'aime pas ça. Calme-toi, maman. C'est bon. Ici, c'est ma cuisine. C'est bon. Maman, c'est bon. Salut, maman. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Comment vous allez? Non. Qu'en est-il de ta femme? Elle se repose. Après la sortie d'aujourd'hui. Tu connais les embouteillages télégosses. Oui, les mouvements lui ont fait quelque chose. Ok. Tout le monde nous a fait un dîner. Quelque chose de délicieux que nous mangerons tous ensemble en tant que famille, vous voyez, hein? Le foufou et la sauce aux légumes. Foufou et quoi? Attends, allons-nous vraiment manger ceci? Je veux dire, est-ce que les êtres humains mangent ceci? Hé, hey, comportez-vous. Pas seulement, oui, comportez-vous. C'est tout ce que tu vas leur dire. Hein? Écoutez, vous allez manger ce repas. C'est ce que nous mangerons tous aujourd'hui. Eh bien, je ne vais pas mettre cette merde dans ma bouche. Tu sais, je te souviens. Luna et Anna, vous devriez vous comporter. Ici, c'est le Nigeria. Et ceci fait partie de ce que nous mangeons. Non, qu'elles essayent. Voyons comment elles ne mangeront pas ces repas que j'ai préparés de mes mains. Essayez-le que je le vois. Allez, tout le monde, mangeons. Une question rapide. Comment allons-nous manger ça? Avec les mains ou quoi? Non, non. Tu peux manger ça avec tes pieds, d'accord? Je m'en fous de comment vous mangerez. Le but est que ça entre dans votre bouche. Papa, nous ne mangerons pas ça. Nous n'allons pas manger ça. Maman, t'inquiète pas. Il n'est pas trop tard. Vous connaissez votre amie, ma babouche. Elle est là. Allez, tout le monde, vous mangerez ça avec appétit et vous sourirez. Maman, c'est... Papa, nous partons de cette maison. Nous ne pouvons pas rester ici. S'il te plaît, c'est soit tu nous amènes à l'aéroport, ou nous y allons nous-mêmes. Exactement. Les filles, essayez de vous calmer. On parlera de tout ceci demain, d'accord? Non, papa, il n'y a pas de demain. Écoute, je ne reste plus dans cette maison. Tu sais, la folie vit en personne. Elle est vraiment folle. Exactement. Si nous étions aux États-Unis, j'aurais appelé la police pour cette femme. Tu sais, nous ne sommes pas aux États-Unis. Alors respectez votre père et retournez à maman, l'étage. Elle est complètement tarée. C'est votre grand-mère que vous parlez là. Qu'est-ce que tu dis de moi? Hein? Tu vois de quoi est-ce que je parle? Attends, c'est quoi ça? Où allez-vous? Pourquoi cette valise? Où allez-vous? Allez, portez ça et remontez dans votre chambre. Prenez votre sac et remontez dans votre chambre. Ok, on dirait que vous ne me comprenez pas bien. Allez! Ah, maman! Ok, s'il vous m'entendez plaît, maintenant? Vous entendez ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on va y aller, allez. Maman, c'est bon, il faut monter. Prenez votre valise, remontez, rapidement. Ça va, maman. Remontez, immédiatement. Dans votre chambre. Ça va, maman. Allez, suis-les. Suis tes égaux de jeu. Petit garçon. Ça va aller. Mais maman... Vas-y, suis-les. Tu ne fais que gâter tes enfants. Tu ne sais pas comment éduquer maman, tes enfants. Maman, c'est pas comme ça. Va. Tu t'emportes pour un petit rien. Va dans la chambre et joue avec tes égaux, petit garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai dit, maman. Ne t'en fais pas. Avant que vous ne rentrez, elles seront éduquées de dré ou de force. Maman, c'est de trop. Ne t'en fais pas. Je m'occuperai d'eux. Tu sais, j'étais une enseignante. Salut bébé, tu m'as appelé? Oui, chérie. Tu n'as pas l'air heureux. Non. Je n'aime pas le fait que tu sois silencieux de la façon dont maman traite nos filles.
C'est leur première fois au Nigeria. Et je n'aimerais pas qu'elles soient mal à l'aise chaque fois qu'on parlera du pays. Mal à l'aise? Maman est une vraie femme africaine. Je lui fais confiance. Je ne vois vraiment rien de mal dans ce qu'elle fait. Même quand elle nous méprise, quand elle fait. Bébé, pourquoi ça te dérange? La personne en question est ta mère, donc tu es mieux placée pour lui parler. J'avais juste besoin de ton honnête opinion. Ah, ici, c'est l'Afrique. Et les gens ici voient les choses différemment. Ils valorisent leur culture. Et les enfants, elles doivent apprendre tout ce qu'elles pourront pendant qu'elles sont encore là. Et c'est pour leur bien. Tu sais quoi? Laisse-moi rapidement te faire quelque chose à manger. Ça va. Détends-toi. Hey bébé. Bébé? Mmh. Je sors. Tu t'en vas? Mmh. Oh. Tu t'en vas? Tu vas où? Je m'en vais courir un peu. Quelques exercices. Toi, courir? Comment ça? Quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi? Comment? Au fait, c'est que je ne t'ai jamais vu courir avant. Mais maintenant, j'ai décidé de faire un peu d'exercice. Y a-t-il un problème? Non, 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 non. Il n'y a rien de mal avec. C'est juste que j'adore ce nouveau toi, tu sais. Ouais, tu essayes beaucoup de choses que tu n'as jamais essayé avant. Je veux garder la forme. Bien garder les choses. À plus tard. Allez, bébé, je dois partir. Ouais. Allez, continue ton sommeil, ok? Bien sûr. Sois prudente. D'accord. Eh bien, la fitness. C'est mon amour. De toute façon. Oh. Ah. Hey, bonjour, Kissa. Bonjour. Je ne savais pas que tu faisais des exercices. Ouais, j'en fais, mais pas tout le temps. Une fois par de temps en temps. C'est super. Continue dans la même lancée. Puis-je te rejoindre? Bien sûr, pourquoi pas, allons-y. Pardon, attends-moi. Allez, allez. Kisha? 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 Que quelqu'un m'aide. Kisha? Kisha, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi. À l'aide. À l'aide, je vous en prie. Kisha? Kisha, allez debout. À l'aide. Kisha? Kisha, s'il te plaît, debout. Que quelqu'un m'aide. À l'aide. À l'aide. Kisha? C'est encore quoi ça? Pourquoi il a fallu que tu fasses ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur, tu es enfin réveillé. Merci Seigneur. Nous avons reçu un appel.
selon lequel tu t'évanouis. Que s'est-il passé? Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais en train de courir. Tout à coup, j'ai eu le vertige. C'est comme ça que je suis tombée. Je ne sais pas. Eh bien, quand tu as dit que tu allais courir, je me disais que tu partais à la salle de gym. Ne me dis pas que tu as commencé à imiter Carissa. Ah, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par moi l'imitant? Ne le prends pas mal. Dans la mesure où je veux que tu explores de nouvelles choses. Parce que j'ai remarqué que tu fais exactement ce qu'elle fait. Probablement tu t'habilles comme elle s'habille. Écoute, bébé. J'aime la façon dont tu es avec ton look naturel. La façon dont tu te coiffes, tu te maquilles. Ta personnalité, ta brillance. Je t'aime tel que tu es. Moi, je n'imite pas. Oh. Tu as mal observé les choses. J'essaie juste d'être belle et d'être en forme pour mon mari, c'est tout. Ouais, non, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je peux le comprendre. Alors, tu vas bien? Comment tu te sens maintenant? Mon amour. Je me sens mieux, mais j'ai des douleurs corporelles. Le corps te fait mal? Oui, j'ai Où mal ça? Partout. Ici? Ici? Tout mon corps me fait mal. Oh, mon amour, je suis désolé. Ici, n'est-ce pas? Je suis désolé, chérie. C'est incroyable ce que tu as fait. Ne le refais plus jamais, d'accord? Pour venir prendre des massages. Désolé, mais je vais te le faire de cette façon, hein? Mais arrête! Désolé, je crois que je vais aller te chercher quelque chose à manger, hein? Ta douleur va passer. Laisse-moi te chercher à manger. Ah, bébé, viens, viens, viens. Ne leur dis pas que je suis debout. Ne leur dis pas que je suis réveillée. Pourquoi? Je ne veux pas qu'ils sachent. Je ne veux pas qu'ils sachent. D'accord. D'accord. Tu es timide? Laisse-moi, laisse-moi. Chut. Ok. Que je ne leur dise pas que tu es réveillé. De toute façon, pas de problème, je ne leur dirai rien. Ok, mais la prochaine fois, tu restes à la maison. Ok, monsieur, s'il te plaît, va prendre la nourriture avec un jus bien glacé. J'en ai besoin. Laisse-moi. Mon tendre bébé. Ma fleur bébé. Blanche. Allez, juste un peu, hein. Ah, va-t'en, je te comprends pas. Ok, d'accord, j'arrive. J'arrive. Ah, tu bavardes, je ne veux pas qu'ils sachent que je suis réveillée. Je ne peux plus jamais aller courir. Ah, bébé. Qu'est-ce que j'entends là? Vas-y, bébé. Vas-y, bébé. Yeah! Qu'est-ce que j'entends là? Ça peut te faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais à cette fille? Ah, bébé, juste là. Jérémy? Jérémy! Jérémy, réveille-toi! S'il te plaît. Allez, maman! Viens me sauver! Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne sais pas ce que c'est ton père à cette fille! De quoi tu parles? Il a amené cette fille ici au Nigeria pour venir la battre. Maman! C'est quoi ce genre de problème? Est-ce que vous l'entendez? De quoi tu parles? Elle dit qu'elle meurt! Maman! Elle dit qu'il est en train de la tuer! Attends, je vais écouter! Il est en train de la tuer! Mon Dieu, aidez-moi! Elle ne fait que crier! Jérémy, s'il te plaît, sauve cette fille. Quelqu'un ne doit pas venir mourir. Maman, ici. Allez, maman. C'est moi qui les ai maman, invités pour les fêtes de Noël. Maman, ils bébé, sont en train de jouer, maman. Est-ce qu'il est en train de la faire au pot où elle crie? Maman, ils sont en train de... tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont en train de faire ce que les adultes font. C'est ce qu'ils font ici. Oui, les choses des grands. Raison pour laquelle elle fait autant de bruit. Oui, maman, et c'est ça. Et ils veulent me donner un arrêt cardiaque. Il n'est pas en train de la battre, maman. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse tomber. Mais voyons, maman, tu n'as pas connu ce genre de choses. Un arrêt cardiaque. Tu devrais le savoir. Tue-moi. Allez. Allez, viens, on y va, viens. Tue-moi. Mais qu'est-ce qui est si drôle? Oh mon Dieu. Ils sont sauvages.
ne t'occupe pas de Kingsley et de Carissa. Tu ne peux pas savoir qu'ils sont mariés depuis 13 ans. Oui. Oui, avec cette façon de faire. Cette façon dont ils la chevauchent. J'aime la façon dont ils sont. Vraiment? Tu aimes leur style? Bébé, tu aimes ça? J'espère que tu n'es pas en train de copier ce qui vient de se passer là. Non, je n'essaie pas de les imiter. J'aime mon propre style de vie et j'aime la manière Donc, je ne les imite pas, je ne les imite pas. Ok. D'accord, très bien. Retournons donc au lit, on a une longue journée demain. Es-tu sûr que tu veux aller au lit? Eh bien, à quoi est-ce que tu penses? Es-tu en train d'essayer de jouer avec moi? Allez, viens par là, allez, viens. Tu ne peux pas m'échapper, tu ne m'échapperas pas. Tu ne peux pas m'échapper. Allez, viens, tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas t'enfuir, allez, viens. Hé, hey, Cassie. Hé, Kisha. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est une série pour femmes. Tu sais que Boss les dit films et ça, c'est la même chose. Vraiment, ils mettent en ligne des films tous les jours dans la nuit. Ça, c'est une de leurs mises en ligne. Ok, regardons donc ensemble. Ça, c'est si intéressant. Aimerais-tu un verre de jus? Bien sûr. Ok, je vais chercher un verre de jus. Merci. Don't touch me. Whatever I heard about me, it's not true. Well, I don't care. No wahala. I mean, do you want me to just lie down here and die so you leave me? Fool. Next time when you see somebody's wife, you leave her alone. Idiot. Dumbass. Rubbish. Idiot. Are you aware that if this hand touches your body, now my mess. You need to be very careful. You know. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai raté? Il vient d'arriver, il a attrapé sa petite amie. Pas possible. Ouais. Oh mon Dieu. Donne-moi ça, bébé. Est-ce que tout va bien? Botte-moi, bébé. Fouette-moi. Fouette-moi, bébé. Est-ce que tu peux arrêter? Oh! Oh, shit. Allez, voyons, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux arrêter de crier? C'est quoi le problème? Est-ce que tu peux juste arrêter de crier? Allez! Mais gaga! Jésus-Christ! Attends! Mais c'est quoi le problème? J'essaie d'être sexy pour mon bébé. Comme je l'ai dit, j'espère que t'es pas en train d'imiter Carissa. S'il te plaît. Que veux-tu dire par imiter Carissa? Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher? Ok. J'essaie juste d'être moi-même et tu parles de Carissa. Je suis désolé. Pardon, bébé, je suis désolé. J'essaie d'être sexy et tu me parles de Carissa. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Seigneur, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma femme? On aura tout vu cette semaine. Waouh! Qui c'est? Allô? Jésus-Christ! Ada? Ok, je viens te prendre à l'aéroport. Oui, d'accord, ok. ok, pas de problème. Ok, bonne nuit. Incroyable! Un Noël pas comme les autres. Je suis prêt pour la fête de Noël. bébé? Bébé, je suis désolé. Bébé?
Nemo et du Bogeno. Adamo, Adamo, Bodemo. Oh. Mon enfant. Maman, tu m'as tellement manqué. Ada, finalement, c'était Dieu t'a laissé rentrer à la maison. Oh, maman, j'allais venir. Désolée que ça ait pris autant de temps. Tu m'as manqué. Toi aussi. Oh. Allez, viens là. Bienvenue. Merci. Salut. Bienvenue. Merci. Comment vous nous allez bien? Bien. Ah, tonton. Je savais tonton, pas que tu pourrais te rappeler de moi. Bienvenue. Oh, merci beaucoup. Merci. Et voyons, tu dois encore me faire un câlin. Allez, viens par là. Allez, viens par là. Eh viens, que je te porte, que je te porte, que je te porte. Pardon, pardon, yeah. Voilà, laisse ma fille, je t'en prie. Viens, oh mon Dieu, ça fait du bien d'être à la maison. Viens, on y va. Ouais. Cela m'a tellement manqué. Ouais. Ce rassemblement de Noël a été une bonne idée. Tu veux un bon Noël? Eh bien, vous êtes allons-y. Noël vraiment pas comme les autres. Super. Je vous assure, c'était vraiment marrant. C'est très drôle, ça. Je pense que j'ai besoin de repos. Jai, Ada, tu as eu une longue journée, je comprends. Non, il faut que tu ailles te reposer. Je vis bien. Pardon, laisse ma fille tranquille. En fait, maman, je te vois demain. Ok. Tonton, bonne nuit. Vas-y, ma chère. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Maman. Dors bien, mon enfant. Bonne nuit. Jai. Hey. Bébé. Bébé, elles se sont endormies. On va devoir aller les faire coucher. Réveillons-les. Les filles. Allez, ma chérie. Allez au lit. Allez, lève-toi, tu vas aller te coucher. Oh. Bonne nuit, dormez, mes enfants. Allez-y. D'accord. Oh, bonne nuit, mes enfants. Bonne nuit. Allez, tonton, tu passes une bonne nuit. Ah oui, fiston, bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Faut passer une bonne nuit. D'accord. D'accord. Bonne nuit, mon fils. On ne veut pas de bruit cette nuit, hein. Faites attention avec lui. Ne vous inquiétez pas. C'est ça que tu dis. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je veux regarder un programme. Allez, donne ça, je pensais que tu allais te coucher. Va te coucher et fais quelque chose avec ton mari qui produira des fruits. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Écoute, pourquoi es-tu toujours si têtu? Pourquoi ne peux-tu pas obéir sans te quereller? T'es pas obligé de lever la voix. Igbo, occupe-toi de tes affaires et de ton whisky. Maman, s'il te plaît, c'est bon. Bébé, allons nous coucher. Mais je n'ai pas sommeil. Hé, hey, bébé. Bébé, je n'ai pas sommeil. S'il te plaît. Doucement. Bébé. Hé, hey, les sales habitudes. Même les salutations qu'on fait quand on va se coucher. Elle ne le fait pas. Maman, tu abuses. Tu aimes trop les ennuis. Allez, va-t'en avant que je ne te lance quelque chose. Bonne nuit. Va-t'en. Tu aimes trop les ennuis, maman. Sac à problème. Un sac à problème, maman. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu sais, en Igbo, on dit que... Regarde, tout le monde est parti. Tu as parlé et tous les enfants sont partis se coucher. Et alors? Pourquoi est-ce que toi et moi n'irait pas dans ma chambre? Tu sais, pour aller faire les choses des adultes. Viens. On dirait que ce whisky a séché ton cerveau. Mais t'es pas obligé de m'insulter. Et je le referai, Igbo. Je t'insulterai encore. Tu n'as même pas honte. Toutes ces années après que ton frère soit mort, tu n'as rien fait. J'ai souffert pour élever ces enfants. Tu n'as pas levé le petit doigt pour m'aider. Même pas un rond je n'ai vu venant de toi. Au contraire, tu marchais partout, me traitant de sorcière. Et maintenant
que ces enfants ont grandi et qu'ils ont réussi. Tu es apparaît. Tu es là comme les abeilles qui suivent le miel. Tu es là les suivants, partout. Fais très attention. Tu es chanceux que ces enfants sont vraiment gentils. Si c'était moi, mes parents, tu n'aurais pas vu. Es-tu obligé d'être aussi dur après toutes ces années? Es-tu obligé? Hein? Après tout, Bandé avait assez d'argent pour te soutenir. Oh! Hein? Mais tu avais assez d'argent pour t'occuper de toutes les veuves du village. Hey, détends-toi, est-ce que c'est parce que je t'ai demandé de venir avec moi pour faire le digi-digi que tu as le droit de me parler comme ça? Allez, viens chercher, espèce de sorcier! Sorcier malveillant! Et viens y chercher, non? Prends ça! Animal! Vampire! Oh! Tu sais, je préfère aller donner ça à un fou. S'il n'y avait que toi sur ces terres, je préférerais mourir comme ça. Non mais cette femme, après toutes ces années, toujours avoir la grande gueule, la grande bouche. Ada. Maman. Pourquoi est-ce que tous ces aliments sentent de l'ail? Bien sûr, maman. Chut, mon Dieu! L'ail dans le thé? Ah, maman, c'est très médical. Et c'est bon pour la santé. J'espère que ça vous plaît. Moi, si. Dans le thé. Ada, attends, tu as utilisé de l'ail pour faire ce pain grillé? Oui. Ça pose problème? Ada, on ne consomme pas de l'ail ainsi. Vous ne savez vraiment pas ce que vous ratez. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Dois-tu toujours agir différemment? Qu'est-ce que tu mais dis? Calme-toi. Pardon, calme-toi, mon argent, non, mais tu es malade. Tu savais que tu n'avais pas d'argent, j'ai et c'est maintenant que tu me dis. Tu savais te payer, que tu n'avais calme-toi. Pas d'argent. Tu m'as tourné pas besoin pendant 3 de heures. Ici, quand donne même. Mon argent, ça je vais veut dire te quoi? Payer, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui lâche, tu sais quoi que tu te punisses? Lâche-moi. Tu sais, je veux mon argent. Maintenant, ma patronne est là. Lâche-moi. Non, mais lâche-moi, allez. Tu perds la tête? T'as intérêt à ne pas faire des bruits. Calme-toi. Bienvenue, bienvenue, madame. Bienvenue. Ah. Bienvenue, madame. Que se passe-t-il ici? Tantine, cette maison est à vous? Oui, c'est moi qui ai cette maison. Pardon. Petit. J'ai rendu service à cet homme et il ne veut pas me payer. Pardon, dites-lui de me donner mon argent. J'ai des clients qui m'attendent, je vous en prie. De quel service parlez-vous, madame? Madame, madame, faites pas attention à cette fille. Ce sont les c'est choses des grands que nous avons fait, Tantine. Je sais pas qui l'a amené ici. Pendant 3 heures, on a fait... Ah! Sans arrêt, paye maintenant, il me raconte des histoires. Pardon. J'ai des clients qui m'attendent, tu es là, tu perds le temps. Et tu me perds le temps. Emos, madame. Tu amènes des prostituées chez moi? Non, madame, est-ce c'est pas ça. Tantine, pardon.
Pardon, vous énervez pas, je vous en prie. Ça veut dire quoi, prostituée? Je vous vois comme une grande dame, comme une dame de classe, donc pardon. Ne dites pas ce que je n'apprécierai pas. Demandez-lui de me donner mon argent que je parte d'ici. Lâche-moi d'abord, lâche mon pantalon, lâche-moi. C'est bon, je vais payer l'argent. Payer quoi? Est-ce toi qui as fait appel à elle? Et toi, donne son argent. Paye mon argent. Madame, je vais payer. Le truc, c'est que le patron ne m'a pas encore payé pour ce mois. Sinon, j'allais payer. Le patron ne t'a pas libéré, c'est ça? Et tu ramènes une prostituée un vendredi? Non, hey, madame, elle a dit que c'était gratuit. Je t'emmerde, tu sais. Je t'emmerde que la gratuité te tue, là. Emos. Regardez-moi ça. Emos. Donc, c'est ce que tu fais, Non, madame. Non, c'est pas ça, madame. Vous énervez pas, cette fille, c'est une sorcière. Je vais payer cet argent pour éviter la honte. Merci beaucoup. Tu vois, merci d'accord. Merci beaucoup, Dieu vous bénira. Va-t'en, l'argent est complet. Pardon, allez, calme-toi, calme-toi. Dégage. Ferme-toi, la ferme. Que je compte mon argent. Merci, madame. Peux-tu imaginer, Dieu vous bénisse, la honte que tu amènes chez moi? Où sont mes clés? N'essaie de passer avec moi. Allez, dégage. Merci beaucoup. Je veux pas que le patron soit au courant de ça. Je veux pas que le patron soit au courant, mon Dieu. Bébé. Bébé. Ah. Tu es là depuis un bon bout, bébé. Tu vas bien? J'ai de la diarrhée. Qu'as-tu mangé? Ada a fait des nouilles avec beaucoup de ginger, avec beaucoup de garlic. Bébé, ce n'est pas amusant. Pourquoi ça t'amuse? Je suis désolé, mais pourquoi tu ne lui as pas demandé de te faire des nouilles? Je ne lui ai pas demandé. J'ai juste un peu goûté dans son plat. Ok. Aurais-tu besoin que je te trouve des médicaments? Je pense que je dois aller à l'hôpital. Désolée. Je pense que je dois aller à l'hôpital. Tu vois, je ne sais pas. Bébé, arrête, ce n'est pas amusant. Ok, désolé. Laisse-moi te conduire à l'hôpital, d'accord? Désolé, allons-y. Doucement, bébé. Tu mets juste ma main et pourtant tu devrais me porter. Ok, désolé, je vais le faire. Oh, bébé, tu es lourde. Avec qu'est-ce que je me suis mariée? Non, c'est pas possible. Oh, mes jambes, mes bras, tu es lourde. Oh non, mon Dieu. Désolé, mes bras. I won't forget the place that I come from.
juste piquer ça. Mais là-haut, c'est mon tour, là. Ah ah, là, vous criez déjà. Ok. J'ai besoin okay, de ça. Ok, c'était toi, là. Bien, qu'est-ce que moi, je peux jouer? Moi, je lance ceci. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Je joue au jeu. Allez, pique tes cartes. Allez, voilà, non, 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 là, pique tu triches. Deux. Tu triches. Hey, c'est un pique 2, là. D'accord, pique 2. Et un pique 4. Non, non, comment tu fais ça? Prends-t-il 2, tu es sérieux, là? Mais je suis supposé le doubler pour toi, fais chérie. Fais-le juste, désolé, sœurette. Oh, waouh. Wow. Elle est gentille. Regardez qui est là. Oh, salut tout le monde. Vous êtes de retour à la maison. Est-ce que vous venez? Ok. Oh, comment ça s'est passé? Comment te sens-tu? Merci. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Ok, les gars. Elle ne réagissait pas à l'ail. Et alors? Devinez quoi? Quoi? Keisha est... enceinte de 4 mois! Wow! Oh, c'est super! Félicitations! Merci, Anna. Wow, merci. Oh, c'est une très grande belle félicitation. Félicitations. Félicitations, confrère. C'est génial. Wow. Hey, Entre nous. Oh, c'est une très grande belle nouvelle. Je suis en nation. Faut qu'on fasse quelque chose. Non, c'est super. C'est une très belle nouvelle. Maman sera contente. Non, c'est génial. Ok, j'arrive, mon ange. J'arrive. Je suis Otoku. C'est super. Tu seras bientôt maman. Tu sais être maman, tu iras très bien. Bien sûr. Attends, tu vas voir pendant ta grossesse, tu vas aimer. Ok, bien, venant de toi. J'ai aussi des recettes que je vais te proposer, tu sais. Non, non, pas d'ail. Surtout pas, j'ai pris ma leçon, il n'y aura pas d'ail. Oh, je suis déjà épuisé. Comment est-ce qu'on ne retrouve pas notre chemin? Igbo, oui? Tu ne m'aides pas du tout. Comment? Je pensais que tu connaissais le chemin de la maison. Oh, ouais, bien sûr, je connais la route qui mène à la maison. Mais j'ai l'impression que les maisons se ressemblent. Et puis, à cette heure-ci, je n'arrive pas à faire la différence des unes aux autres. Sais-tu que nous avons déjà tourné autour de cette estate pendant plusieurs heures maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas à faire la différence entre ces maisons. Et puis, pourquoi est-ce que tu te compares à moi? Je suis mieux que toi. Et toi alors, c'est pas la maison de ton fils? Tu connais pas la maison de ton fils? À moins qu'on t'écrit l'adresse sur le papier. Igbo, hein? Ne m'insulte oui. pas. Quoi? Attends. Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas au portail et dit au gardien qu'on s'est égaré? Tu sais, il pourra nous aider. Qui est perdu? Je ne suis pas perdu, c'est toi qui es perdu. Joue pas aux orgueilleuses. Ça sert à rien de jouer aux orgueilleuses maintenant. On n'a qu'à leur dire la vérité, tu vois. De cette façon, ils pourront nous aider à retrouver la maison. Sais-tu à quelle distance se trouve le portail de cette... Et tu nous demandes de refaire tout ce chemin. Allez, continuons de marcher de ce côté. Si nous continuons de marcher, nous verrons la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Continuons de marcher, nous verrons la maison. C'est ce que t'as dit il y a de cela une heure et on continue nous de marcher. Nous arriverons bientôt. Peureux. Je pense qu'on devrait juste aller les chercher. Connais-tu la direction qu'ils ont pris? Ils ont dit qu'ils partaient chercher quelque chose dans le coin. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ils ne l'ont pas dit. Oh, voyons. Je pense qu'il est mieux qu'on aille les chercher parce qu'il se fait déjà tard. Ouais. Chérie, Kessie et toi, vous allez rester. Et nous autres, nous allons partir. Allons-y. Très bien. Ouais. J'arrive. Ouais. T'inquiète, on se voit tout à l'heure. Eh bien, j'espère qu'ils sont sains et saufs. Bébé, fais attention. D'accord, chérie. Ok, je serai dans ma chambre. Ok, je vais m'asseoir ici pour les attendre. Attends, Agatha, attends. Je suis fatigué. Tu sais quoi? Je peux plus continuer. Je peux plus marcher. Je suis fatigué, là. Tu es maintenant fatigué. Reposons-nous un se peu. Se reposer, toi et qui?
S'il te plaît, allons-y. Avant de continuer, laisse-moi te dire que tes jambes vont commencer à gonfler. Si tu te reposes pas... Tu sais que tu ne réfléchis pas, Igbo. Tu ne réfléchis pas. Arrête ça. Fais attention. D'accord. Allons-y. Tu veux t'asseoir ici? Ok, oui. Vas-y. Pour moi, je n'irai nulle part. Tu ne vas nulle part et tu penses que qui attends, s'occupe attends, de ça? Attends. Il y a un véhicule qui arrive, il y a la lumière. T'as vu? Allons les voir s'ils peuvent nous aider à trouver notre chemin. Cette voiture, elle m'est familiale. Ce n'est pas... Attends un instant. Bien sûr que c'est... Attends, fais c'est attention, la voiture de Jérémy. Ne précipite pas. C'est la voiture de Jérémy. Hey, maman. Mon enfant, oh, finalement. Oh, Dieu merci, les enfants. Maman, que s'est-il passé? Dieu merci, on était perdus. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On marchait sans trouver notre chemin. Demain, on a marché. Ça va aller. On s'est perdus. Hey. Oh, mon Dieu. Maman. Celui-ci, tu je ne sais pas s'il est un homme ou une femme. Toujours, il est tu là. Tu vas bien, maman? Tu penses que je veux mourir, bien. Moi? C'est à cause de lui j'ai qu'on s'est perdu. Maman, tu vas bien, maman? Tu le chemin, maman. Maman, tout va bien. Tu es arrivé au bon moment. À la maison. Maman, lancez. Désolé. Oh, entre. Dieu merci, vous nous avez retrouvés. On marchait simplement pour se balader dans le quartier. Vas-y, monte, doucement. Pourquoi disais-tu connaître le chemin? Pourtant, tu ne le connaissais pas. Je pouvais bien me repérer en pleine regarde journée. Regarde ce que tu as mais causé là, maintenant. Mais là, il se fait tard, il se fait nuit. Regarde ce que tu as causé. Dans la nuit, toutes les maisons ont l'air fait, d'être les mêmes. Regardez-le, maintenant il est léger comme une feuille. Hein? Aïe! En tout cas, Dieu merci. Hey, mon enfant, je dois boire le Hakam chaud. Un Hakam chaud avec une bonne cuillère. Hey. Trisha. Maman. Maman, ils t'ont trouvé? Ils m'ont trouvé. Dis-moi, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que quoi? Que tu es enceinte. Alléluia. Alléluia. Hey. Mon fils, merci beaucoup. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. 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 Merci Seigneur. Hey. Joyeux Noël à moi-même. Hey. Alléluia. 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 Hey. 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 Mon fils, mon cœur. Hey. Mon Dieu. Hey. J'aurai un autre petit-fils, mon cadeau de Noël. Hey, alléluia. Tu as fini, n'est-ce pas? S'il te plaît, est-ce que tu as fini? Presque. Je peux la voir. Mmh.
non, non. Quoi? Non, tu n'as pas à le faire. Ok, vous êtes d'accord? Pas d'ail? Ouais. Bonjour, bonjour, tonton. Bonjour, mon oncle. Bonjour, tonton. Bonjour à tous. Tu t'es bien reposé? Oui, j'espère que vous avez bien dormi aussi. Oui, bien sûr. Oui, tonton. Oui, d'accord, mon d'accord. Mon oncle t'a nourri à la cuisine. D'accord, d'accord. Mais ce que je fais là, c'est pour toi. Non, maman, ça va, ça va. Hey. Tu dois manger pour deux. Bon, je vais partir dans ma chambre, d'accord? Ok, ok, tonton. Je ne vais pas me déranger ici. Maman. Allez, doucement, maman, doucement. Voir qui? Fais attention. Ah. Tu penses que tu es encore bébé? Tout à fait, maman. J'ai mon bébé qui arrive. Ma cacaouille. Vas-y, tiens alors. Frère, tu cherches quelque chose? La bouteille de whisky. Je suis sûr de l'avoir laissée ici. Personne ne boit dans cette maison excepté toi, Jérémy et oncle. Et Jérémy n'est pas là. Ah, attends. Oh. Je ne sais pas où on va le trouver. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Je ne sais pas, mais je suis très sûre qu'il l'a prise. Toute une bouteille? Mm-hmm. Il aurait pu s'en servir un peu et garder le reste. Hey, donc tu ne connais même pas oncle. Il ne boit pas et laisse le reste. Il sera sûr que ça finisse. La finir entièrement? Mm-hmm. S'il termine une bouteille seul, il sera KO pendant des jours. Cherchons-le. Je suis sûr qu'il est dans les parages. Bon, on va regarder partout. Mon oncle, il est... Mon oncle? Où a-t-il pu aller? Ou a-t-il vu une buvette dans les environs? C'est possible. Ou alors il ne l'a même pas prise. Non,
Pour l'autre là, hein, il a définitivement prise. Tu sais quoi? Allons dans sa chambre le chercher. Allons Attends, le chercher voir. Là-bas. Mon oncle. Kingsley, il est ici. Mon oncle. Mon oncle. Merde. Est-ce que cet homme réalise combien coûte cher cette bouteille? C'est du n'importe quoi. Aidons-le à se lever avant qu'il ne se casse les jambes. Grand-mère va lui avertir qu'elle va se réveiller. Il ne se réveillera pas bientôt. Vraiment? Ça, je te l'assure. Allez, aidons-le. Faisons-le. Mon oncle. Ah, ok, mon oncle. C'est l'heure d'aller dans ta chambre. Il a du poids. Tout doucement, tu rentres dans ta chambre. D'accord. Ok, on va devoir partir. Ok. Allez, c'est bon. On va te faire coucher, mon oncle. Droit. C'est Doucement. Bien. On peut encore aller. Ah, ah. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Je t'assure. Vraiment. C'était vraiment génial. Si seulement tu pouvais voir leur visage. On voit à quel point il peut être têtu, hein. Elle n'a pratiquement rien dit. Wow. Ok, bien. Je vais commencer par les dames d'abord. Ma femme. Il la sert de façon spéciale. Non, mais tu triches. Oui. Oh. C'est ton problème. Pourquoi? C'est ton problème. J'aurais dû commencer par Ada. Ada, bien désolé. Bien sûr. Ouais. Ada, Merci. Désolé. Ouais, j'ai besoin de ce vin. Ok. Que je commence par mon frère, Adjoubala. Tu ne vas pas faire ça. Non, tu ne vas pas le faire. Ah. Je l'ai déjà fait. Oh. Où est ce Momo? Je ne l'ai pas vu depuis la journée. Maman, il a bu toute une bouteille de whisky hier. Toute une bouteille. Yay. Il a bu toute la bouteille? Il a fini entièrement. Ça veut dire qu'il ne va pas se réveiller d'aussitôt. C'est ce que je disais à notre femme. Vous voyez ce que je disais. Cet homme, soit il vole une chose, soit une autre. Pardon, laissez-le dormir, il quitte sur mon chemin. Laissez qui dormir, il ne peut être sur ton chemin. J'avais dit qu'il n'allait pas se réveiller d'aussitôt. Il s'est réveillé. Oh oui, je suis réveillé. Comment est-ce que tu as fait? Eh ben... Je ne me suis pas donné la mort, je suis là. Et c'est bien. Alors c'est vous? Vous dirigez mal cet homme. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un soulard? Hein? Hé, hey, Agatha, ne m'insulte pas. Cet homme est premier dans la catégorie de buveurs de whisky. Si vous mettez deux maîtres buveurs ensemble, ceux qui ont l'habitude de regarder les films disent que c'est une association des buveurs. Si vous les mettez ensemble, c'est ce que vous avez là. Cet homme leur donnera des leçons sur comment boire. T'as dit que je faisais des temps sur moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi notre oncle a droit à toutes ces insultes. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce que je l'ai satisfait. Qu'est-ce que tu dis, Hugo? Vous avez vu? Elle est toujours comme ça. Maman? Oh, oh. Il est presque minuit et tu es encore ici. Tu dois aller au lit. Je ne me sens pas abandonnée.
Qu'en est-il des enfants? Oh, elles sont allées dormir. Oh. Maman. Je vais passer. Désolé. Faites-moi passer. Eh, fiston. Ceci est pratiquement ce que j'ai toujours voulu. J'aurais voulu partager ces moments avec mon mari, vous savez. Dieu connaît le meilleur. Je suis triste qu'il ne soit pas là, mais tout va bien. Cette nouvelle année où vous êtes tous réunis auprès de moi, mon cœur est rempli. J'ai toujours voulu la famille tout ensemble. Je sais que je peux être un peu de trop parfois. Drescha peut attester cela. Mais je suis heureuse à cause de vous tous ici présents. Tu as été si difficile avec moi, maman. Bébé. Non. Laisse-la parler. Depuis que je me suis mariée à ton fils, tu ne m'as jamais montré de l'amour. Rien que je fais n'a l'air d'être bien à tes yeux. J'ai été une bonne épouse pour ton fils et une bonne belle-fille pour toi. Mais pour certaines raisons, ce n'est jamais assez. Maman, sais-tu combien de fois je suis allée au lit en pleurant à cause de la manière dont tu me traites? Maman, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne des enfants et pas l'homme. J'ai vu la manière dont tu as traité Carissa le jour où elle est revenue. J'étais si brisée. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu pour nous deux. Une relation de belle-mère, belle-fille. Mais non, je n'ai jamais eu ça de toi. Si tu clames que tu aimes la famille et le vivre ensemble autant que ça, maman, pourquoi alors tu me détestes? Jamais, 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 jamais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi trouves-tu autant de plaisir à me tourmenter? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne te déteste pas. Je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée. Chacun d'entre vous sait. J'ai perdu mon mari. Il est parti très tôt. Ça m'a rendue amère et difficile. J'ai enduré des choses au point où la violence est devenue le seul langage que je comprenais pour exprimer mes sentiments. Je suis désolée, née. Je pensais que tu n'étais pas une très bonne fille, que tu essayais de profiter de mon fils. Et même quand au plus profond de moi, je savais que tu étais bien.
La peur que n'importe quelle femme vienne m'enlever mon fils, vu la pauvreté dans laquelle nous sortons, elle était énorme. J'ai pensé que c'était tout le monde qui voulait dilapider l'argent de mes enfants et les rendre pauvres. Je suis désolée d'avoir déversé mon insécurité en toi, mais je crois être changée. En fait, j'ai changé. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonne, maman. Je te pardonne. Merci. Agatha, pourquoi es-tu toujours agressive? Ego, s'il te plaît, reste loin de ça. Je parle à mes enfants. Toi, Ego. J'ai perdu ton frère. Tu savais à quel point j'aimais ton frère. C'était comme si une partie de moi avait été coupée et mise dans la tombe avec lui. Et je n'avais personne pour me soulager le cœur. Toutes ces années, je n'avais personne. On dirait que je n'avais pas de famille. Mes enfants, c'était tout ce que j'avais. Hein? Toi, la seule personne qui était censée regarder auprès de moi. Tu m'as abandonnée. Avec 3 enfants, dont la pauvreté, dont la souffrance. Sans compter le nombre de fois où je t'ai supplié. Sans compter le nombre de fois où je suis venu commander à manger chez toi. Et tu me tournais en rond. Tu me tournais en rond. Tu as dépensé ton argent dans la boisson et sur les veuves dans les villages en m'abandonnant. Moi, ta sœur. Tu m'as laissé souffrir avec les enfants de ton frère. Et après toute la douleur que j'ai endurée, maintenant qu'ils sont grands, tu veux récolter où tu n'as pas semé. Pourquoi récolter où tu n'as pas semé? Je souffrais d'une addiction, Agatha. Et toi, tu le savais bien. Hein? Et après tout, la mort de mon frère m'a tellement traumatisé. D'une façon que je te blâmais toi. Pour sa mort, parce que tu le poussais à aller en ville. C'était parce que je voulais une meilleure vie pour nous tous. J'étais si cupide. Je voulais juste frayer une voie dans le cœur de mon mari pour qu'il progresse. Je suis désolé, Agatha. Vois-tu, au moment où mon frère est mort, je souffrais d'une addiction. J'étais alcoolique. Quand tu es venu vers moi, je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, j'étais pas là pour toi. Je suis vraiment désolé. Je ne pouvais pas t'aider, mais maintenant je suis là, je peux tout arranger. C'est pour ça que je viens de temps en temps pour essayer de ranger les choses. Je suis désolé, ma chère. Mais tout cela date de très longtemps. Pourquoi est-ce que tu m'en veux toujours? C'est bon, maman. C'est bon, maman, calme-toi. Maman. Calme-toi, s'il te plaît. Ça va aller. Maman, ça va, ça va. Donald, est-ce que tu vois ton frère? Si je dis que je lui ai pardonné maintenant... Je n'aurais pas fait honneur à ta mémoire. Je t'en prie, Agatha. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça va. Oh, mes enfants. Vous n'êtes pas venu ici pour que je vous rende triste avec mes larmes. Je vous apprécie tous. J'apprécie le fait que vous m'avez honoré. Vous êtes venu ici depuis le monde entier parce que je vous ai demandé que je voulais vous voir. Merci de m'aimer et de m'honorer de cette façon. J'espère que nous n'attendrons pas 5 ans de plus pour se rassembler encore. Non, maman, ça ne sera pas. Non, maman, ne t'inquiète pas. Mais
Depuis les Indes, tu es venue. Maman, nous sommes désolés. Arrête tes larmes. Depuis les Amériques, tu es venue. Je viendrai, maman. Je serai toujours là pour toi. Moi également, je viendrai. Mon oncle. Merci d'être toujours si accueillant pour rassembler toute la famille de cette façon. M'accommoder malgré mes excès. Merci, tu as une place spéciale dans mon cœur. Nous t'aimons aussi. Nous t'aimons aussi. Maman, je vous aime. Vous tous, je suis si fière de vous, de tout ce que vous avez accompli. Je suis fière de vous, de ce que vous avez pu accomplir de votre vie. Je vous aime. J'aurais souhaité que vous voyiez l'intérieur de mon cœur. Nous t'aimons, maman. Nous savons que tu nous aimes. Les gars, il est minuit, minuit. Wow. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, chérie. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, franchement. Joyeux Noël. Noël. Vous êtes tous drôles. C'est grâce à toi. Oh, vraiment.
Je ne suis pas Mère Noël, je suis une enfant et je n'aime pas le foufou. Je ne suis pas Mère Noël, mais je suis l'iconique Luna. Ouais. Je ne suis pas Mère Noël, mais je suis sa favorite. Je ne suis pas Mère Noël, mais je suis la meilleure belle fille. Je ne suis pas Mère Noël, mais je suis l'unique de la famille. Je ne suis pas Mère Noël, mais je suis le dernier né de la famille et le plus spécial. Je ne suis pas Mère Noël, mais le fils aîné de Mère Noël. Mais de quoi vous parlez d'ailleurs? Je suis l'oncle. Oncle Soula. Si vous m'appelez Père Noël, ça ne me dérangerait pas. Je suis Mère Noël. Oh, bah,